Non, non, mais on veut se foutre de ma gueule. Le jeu veut se de ma gueule. Il n'y a pas de galère. Il n'y a aucune galère. On est parti. Aucun souci. Le jeu veut jouer au con. J'étais déjà assis à la table en train de jouer, moi. Ça fait longtemps. Très, très con. Salut à tous c'est bienvenue sur Valley le Magic Arena FR. Comment ça va Ça va très, très bien et toi Je suis en colère. Je suis en colère. Il en colère. Je suis en colère. Là, il lance la vidéo. Je peux vous dire, il est à bout. Il est dans un état. Parce que ce jeu de con qu'est Arena ne fait que bugué. Il, il fait que, que ça bugger tout de suite à charge là comme ça. Ce jeu de con, il fait que bugger. il a tapé Je qui en peut plus. Le pauvre, est-ce qu'il mérite cette insulte Franchement, un dans peu... les commentaires, vous un me direz mérite-t-il Vous me dites oui, il mérite. Si vous êtes d'accord, vous écrivez oui, il mérite. Bon, cela dit, c'est sûr. Il a beau euh, bugger actuellement. Qu'est-ce que ça va vous enlever sinon la deck tech vous Absolument avez... rien. On ne peut pas ouvrir le deck, et si on a réussi à l'ouvrir, on ne peut pas le modifier. Non. Donc, du coup, on évoqué. va directement aller en ladder et jouer voilà. le deck. Vous n'aurez pas la deck tech. Ça Exactement. veut dire que les 10 minutes du début de la vidéo qui sont dédiées à la deck tech vont être 10 minutes de promotion. C'est pas vrai. Pas du tout. Je vraiment, Je pense que les gens meurent. C'est pas ça. Mais il y a la promotion quand même. Bien sûr. De anticipation de confiance, abonnement, plaisir, partage, régal N'hésitez pas à faire un tour du côté oui. des sponsors dans la description et sur nos réseaux sociaux comme Instagram. Tout à fait. in by Magic Bazaar. Merci à eux. Code ValetPL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Merci à Ultimate Guard. Lien d'affilié dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes sur leur site. Vous faites vos achats, ça nous soutient directement. Ça le soutient aussi parce que vous achetez leurs produits et ça fait plaisir à tout le monde. Également, si vous voulez passer une tête sur Voct, 4 fois par semaine lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Box Break MTG et pas que. Carte à l'unité MTG. Et pas, et pas que. que. Du petit One Piece qui arrive. Et oui, et oui, il y a du petit One Piece parce qu'on adore du, ça. Du petit One Piece, On du a petit Rice TCG. De euh, petit de façon, Rise. Vous pouvez aller sur labelcarte.fr, vous voyez un petit peu tous les produits qui sont disponibles. Exactement. Ça vous donnera un petit peu l'identité aussi de ce que vous pouvez trouver sur Voct. Un délice. Code Carte. quand vous créez votre compte sur Voct, ça vous donne 10 sure. de euros euh, de réduction sur votre premier achat. Donc finalement, c'est rémunéré si vous faites ça. Donc si vous voulez être rémunéré, à juste créer un compte sur une appli, rentrer un petit code passer un bon moment en live avec nous et recevoir un petit produit que vous avez payé 10 euros moins cher ou que vous n'avez pas payé si ça coûtait moins de 10 euros. Franchement. Moi je dis c'est plaisir. plaisir. Vous avez deux semaines pour utiliser euh, le bon d'achat une fois que vous avez créé votre compte et ensuite le bon d'achat n'est plus disponible. Deux semaines, c'est quand même assez large. Ouais, est on simple. est parti, on est partout. Yep. Gold go. euh, Duke, une version que tu as un petit peu modifiée par ouais. rapport à la version de Radio Duke, Duke ouais. Pro Tour. Est vous ça. Nous avez régalé. Ouais, c'est ça, j'avais bien kiffé. Est, pourquoi est-ce qu'on présente ce deck-là bah, ça fait un bail qu'on n'est pas revenu dessus, parce que c'est mon deck préféré du standard, celui avec lequel je prends le, le plus de, de plaisir de, de jouer. Tu, tu prends un pied fou. Euh, Ragdos cream aussi, qui sont un peu mes deux, euh, mes deux chouchous actuellement, Golgari étant quand même un peu plus fort. Euh, L'idée, c'était de repartir de la version de Red Duke, de conserver tout ce que j'avais plutôt bien aimé et de découvrir ce que j'avais pas pu tester. Lui, il a euh, sorti les chauves-souris pour implémenter les broncos. J'avais notamment testé une version avec Golgari, euh, avec euh, pas Golgari, pardon, avec euh, Gitrog, aka euh, AK Mbappé, et, euh, et bah, pas bien, quoi, malheureusement. Mais par contre, là, je suis arrivé un petit peu à ma version, euh, ouais, c'est pas ouf, hein. tu gardes-toi ça là, Si tu trouves mieux, il faut que tu aies au moins deux landes avec une interaction et toujours des drops bah, 3. Un, un deck qui gagne bien avec plein de drops 2 et des interactions, moi je gagne je pense. T as 8 drops 2 seulement Oh, d'ailleurs, Anto, c'est celui qu'on a affronté en June dans mon classé Non. Ah ouais il s'appelait pas comme ça Je crois pas. Ah ok. Je crois qu'il avait et un nom des, en mode l'année. Bon, quelque chose. Non je la mouligane ouais. Tu veux mieux Ouais je veux mieux, ouais. ouais là, je suis un gourmand. Bah tu vois, c'est parfaitement mieux là. C'est parfaitement mieux ouais. Ah, je, je connais mon paquet, ça mouligane bien. Euh, je crois que t'as deux drop 3, je crois que tu gardes commandement et que t'enlèves un pressure ah ouais ou un intrus. Avec, avec ouais. de l'and on garde un drop 5 Ouais. Ouais ouais ouais. C'est pas les mêmes sont qu'on limite. On, on hein. va y aller comme ça, quoi. Il est comme ça, tu as ton chevalier qui va piocher, tu as quand même de quoi voir venir et tu as 26, 26 ans dans le deck. Mmh. Et c'est un, un deck, alors pour le coup, Golgari qui est assez stable, qui fait toujours la même chose, qui est très plaisant à jouer parce que très interactif, qui est capable de passer en dessous rampe avec notamment la disruption, les Liliana. Euh, là, tu n'as pas forcément besoin de piocher. Est-ce que tu restes juste up avec Exterminé C'est probable. Et qui veut essayer de passer au-dessus des autres decks aggro, donc euh, c'est un deck un peu middle, c'est vraiment le 50-50 contre tout le format. Ouais. Il peut un peu tout faire. Il... il peut un peu tout faire, il est excellent contre rien. Mais en tout cas, moi, en termes de plaisir, il me un régalus. Je sais pas si on exterminait son épicurien. Bah, si c'est Boros ce qu'on voit, qu'il va pas jouer grand-chose de fou. Ah, bah, il n'a même pas de land. Ok. Rip. Ah, J'ai le pressure. Petit pressure, let's go. Oh. Mais voilà, c'est un deck qui... Subit pas trop le fait de pas commencer, qui moulgane très bien, qui trouve facilement ses landes, qui a toujours des trucs à faire. Moi j'aime bien les decks comme ça qui sont carrés en fait. Il est carré ce deck. Il a pas joué de landes et il n'a pas joué ça autour d'avant. Tout non. Tu vas monter à 5 mana et. et essayer de gagner la partie, écoute. Je vais essayer. On va piocher avec notre petit chevalier puis le jouer si on n'a rien d'autre à... à faire. Le petit chevalier de manège. Est-ce que je veux attaquer là je, je pense, pense oui. Ah bon Ça me fait une 1 Link. Ah, ça te fait drop une 1. Ouais, ouais, ok, ouais. Effectivement. Le bon Prêcheur. Qu'au début, j'avais sorti de la liste pour pouvoir synergiser avec Bronco. Et en fait, genre, c'est quand même trop fort Prêcheur pour pas en jouer. Juste trop bien. Parfait. Ouais. Et Bronco, il synergise déjà avec les chevaliers. Et il y a du coup une sortie dans le deck que les gens peut-être comprendront pas. Il n'y a plus de chauve-souris. Et moi, j'aime bien contre tous les match-up noirs où finalement, chauve-souris, ça fait que de la tempo, mais ça fait pas de grind parce que ton oppo. Il met un anti sur la chauve-souris, il a géré une créature et il récupère son anti C'est pas un deck de tempo, en fait, ce deck -là. Mmh. vraiment un deck mid-range, mmh ouais. bien solide. Et autant dans Dimir je... et dans Raffine, je trouve que la chauve-souris a fait sens, autant dans Golgari, elle me parle moins. quoi. Et donc, j'aime bien l'ajout de Bronco à la place. C'est dommage qu'il passe en 3-4. Du coup, ça, ça ne... ne tue plus. Non, mais bon, ça va quand même aller, quoi. Ça va aller. Ça va bien. Ça et ça. Et j'ai oublié combien de le Ah oui, on aurait pu attaquer avec, ouais, effectivement. J'aurais pu attaquer avec avant. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il repeuple bien, attention. Ouais, mais moi je vais refaire ça. Ouais. Non, bon, ah non, il va regarder ça en flash. Moi je vais y tenir pour mettre des points. Ah, on serait content qu'il joue au tien, ouais. Waouh! Pourquoi? Pourquoi commit ton board? Bon, Anto est une personne ouais, sympathique. On veut euh, faire ça, bon, du coup. Euh... Ouais, mais pour rajouter un heureux. point de dégâts, tu tournes pas autour d'un anti de masse? Bah, on vient d'en jouer un, il sait qu'on en joue pas 4, donc euh, il y a quand même très peu de chances qu'on ait les deux. Ouais, mais le, le risque en valait pas forcément la, la chandelle, tu vois. Parce que la vrai. chandelle est pas ouf, quoi. Ah, là, sa chandelle est pas ouf. Là. Sur la Et chandelle, c'était un point de dégâts, donc. Euh... Et un scry, ok. Ok, ok. Ok ok. Ok Anto, je vois ce que tu veux faire. J'espère qu'il finit pas à trois points de vie, parce que c'est les trois que j'ai pas mis en jeu mon spell d'abord. On peut jouer avec mes couilles. Ah j'ai vu, tu, tu pousses là. Bah en fait euh, j'étais tellement sur putain cette carte elle annihile son deck, j'ai oublié que quelques-unes de mes créatures mouraient. Eh oui. Ce qui globalement est pas très grave. Bon ça devrait aller. Là, je préfère développer ça que de rejouer, enfin que d'attaquer avec ça. Je pense aussi, ouais, de son on attaquera le tour d'après. C'est pas mal, cela dit, créer quelques foot contre lui, ça peut avoir son... sa petite importance quand t'es à 12. Ouais. Ce qui peut reconstruire très vite, lui. Hein. Ouais, bah là, il va faire une bête en flash. Je crois que tu joues quand même ton... ta forêt. Qu ah, Qu'est-ce ouais. qu que tu bluffes contre ce deck là spécifiquement Non, ouais, tu bêtes juste. Non, vas-y. Ouais, enfin, il, il, va ouais, il a pas le loisir, quoi. Okay. Il a pas le loisir, et si tu vas attaquer plus... plus craquer ta foot, tu seras content le tour d'après. Euh, bah de toute façon je pouvais faire un land étape donc ça change oui tu aurais pu le lander mais mmh. du coup si tu trouves un land auras encore plus de mana à disposition euh, au cas bah, si je trouve un land j'aurai rien à caster donc euh... oui mais sur plusieurs tours tu auras un avantage d'un land de plus si jamais t'as as plusieurs ouais. spells à caster quoi et comme entre guillemets tu bluffes rien contre lui juste jouons le quoi bah là pour le coup ça marche pas parce que du coup euh, c'est si je reste avec deux landes en main euh, que les prochains euh, ne servent à rien mais si j'ai pas ouais. de un seul land en main je peux l'androper le, tous ben les sûr. cours et, et garder quoi. En fait si on avance vachement dans cette partie, tant qu'à faire tu peux... tu, tu peux le jouer quoi. Mais c'est à court terme ça change rien. Hein. Mmh. Ok il a déjà. Il a déjà repeuplé. Et là on peut mourir sur un. Sur un Imodan Il a dû exumer pour avoir assez de créatures. Oh Mmh. Tu vas piocher une carte si tu attaques avec Pressure. Ouais. Si tu pioches une carte et que tu développes 5, il te restera 2 mana. Tu peux trouver anti-bet. Peut-être que tu veux attaquer juste avec Pressure, rester 3 de up. Développer avec euh, et voir ce qui se passe. Ok. Wesh. Ouais. Oh, c'est bloqué ça. Parfait. Je ma value j'ai tué sa bête. Ouais, Très on content. prend. Je sais pas trop pourquoi il a pris. Euh... Il a pris en ce place dans la même logique. Ouais, mais je te dis, je vois pas trop euh, ce qui pourrait inciter de tourner autour d'un anti bête là. Il ouais, donc, une... Là, il est, il sait que il a toutes les informations, il a pas ouais, besoin de réfléchir. Sûr. Ah mais en fait, je pense qu'il est dans une situation où il a pas le droit de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire mm. Il doit repeupler sans cesse. Mais là, c'est pas mal. Hein. Le Imodan, pour bon, va d'après, il... il fait des que trucs quoi. Je crois que tu peux juste attaquer avec Akhlazot, rester bronco et maison tourmentée up. Est-ce que tu meurs si jamais t'as triple bloqueur Attends, il faut compter, tu passes à 14. Alors, je bloque le truc à 3, je bloque un truc à 3, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, euh, 10, 11, 12, 13. Normalement non, Avec en plus il va le défausser. Avec 3 bloqueurs Ouais. Ok, vas-y, go. Ah euh non, avec deux bloqueurs, j'ai compté. Donc ah non, non, il y a trois plus. bloqueurs avec la maison. Oh, le petit bruit de canasson quand tu joues le bronco. Ouais. Ah, ils en ont un de bruit de canasson, mais euh, ils l'utilisent. Le plissière. Tu vu On peut lui donner une petite pomme. On lui donne une petite pomme Ah ouais. ouais. C'est vrai que ça fait des, des chauves-souris sur les. C'était vraiment, euh, vraiment pile raccord, quoi. Tu joues ton bronco, petit bruit de canasson. Non, Hop viens. là, petite pomme encore là. Ouais. Mais arrête de faire ça Je pense si tu le nourris trop, il explose. Il grossit comme il y ouais. devient énorme dans des pas Pastèque Clerc. Des os. Pas besoin de deck tech De Alors voici la deck tech. Du Elle coup. est là. Salut à tous. Le but de Golgari Midrange, c'est d'être midrange et de Golgari. finalement. Ouais. Pas de haut oh. Des bêtes et des anti bêtes Mec c'est quoi ça Tu l'as vu bah, derrière. On est dans une discothèque. Stylé en vrai est, -ce est contre lui, on veut des chemins du péril Ouais, on veut pas ça. Je pense je que tu veux désarchifier le à la place de Cholred. Bon, Cholred, ça tient pas très bien le board. Si tu veux bien exterminer, hein. dès le que tu peux coup. interagir en early game, tu peux enlever les contraintes. Ah oui, contraintes c'est nul. Euh, Globe broncos c'est mon middle contre lui. ouais, c'est pas très bien, voire même nul en fait. Je peux en enlever un petit. crétéchine euh, est-ce que c'est c'est bien s'il joue des war leaders, se fait gagner des PV. Oh, je si, ça lui casse des trucs, ça fait gagner des PV. Je, je préfère les Crétechines effectivement. Il, il joue les euh... Ça peut tuer une bête. Ouais, ouais, non, je préfère Crétéchines à un truc du cimetière, par exemple. Ouais. Ah, bah, ça vire les Yotiens. Un truc du cimetière aussi. Ouais, mais Yotien je crois que c'est un ou deux Yotiens. Voire normalement, les listes, en joue zéro. Donc, euh... Donc tu les, les deux, parce que ça fait ouais. de gagner des petits points de vie aussi. Hippie, mais Ouais, mais moins que tu vois. Et si t'as trop de drop 3, euh... c'est pas cool, quoi. Ouais. Non, elle est bien, les listes comme ça. Ok. En vrai, tu joues Golgari, Midrange, euh, Full brass c'est okay. dur pour lui, hein. Est-ce que Intrus, c'est pas mieux que Pressure 2-4, je sais pas. J'aurais tendance à garder Pressure. moi. Parce qu'intrus, ça fait gagner des petits points de vie. Ça bloque bah, mieux les cavaliers. Ça peut devenir 4-4. Alors contre lui, faut que, pour que ça devienne 4-4, c'est plus complexe, mais. Bon, on a juste à passer le tournoi. Ouais, ouais, peut-être. J'ai pas, pas réfléchi à ça. Je vais garder ça qui a l'air euh, très bien. Interagit euh, C'est pas mal, mais c'est dommage de pas mettre un peu de presse non plus quoi. Parce que si mouligan, tu fais... contre lui, on cherche quoi je, comme main On cherche ça avec une bête. Ouais, c'est ça. En fait, je réfléchis. Le problème, c'est que lui, c'est un deck qui reconstruit. Donc si à un moment t'aplatis pas, t'as beau faire anti-bête, euh, anti-bête, 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 anti ça fonctionne pas tout le temps. Donc là, t'es un peu en Mouligan 5. Mais en même temps, c'est vraiment que des bonnes cartes, dont deux de tes quoi. Moi, je garderais. On a beaucoup de créatures. Ouais, vas-y. Ouais. Un manland. Je pense que ça se garde, mais c'est pas un auto -keep, quoi Allez, Poney, voilà. là. Ouf. Oh, lui, ça bon. Lui, ouais. ça mouligan On est en mouligne 5, tous les deux. <coughs> tous les deux. Ouais. Mais toi, dès le tour 5, tu es en mouligne 7, en fait. Je pioche 2. Dès donc, que j'ai mon 5. C'est vraiment pas mal, finalement. Voilà, 4. Oh là là, catastrophe. Je vais même me permettre ça. Après, j'ai un qu'on Convoque qui m'a démoulé en mouligne 4 récemment. Ne porte pas l'œil, Val. Voilà. Non, mais je veux dire, ça existe, quoi. Ils le font. Je pense que tu peux directement l'exterminer, comme ça, tu empêches potentiellement une sortie, tu sais, euh, Glaceful Démolition. Euh... En fait, tu empêches la Turbo sortie en moule 4. Il peut faire Glaceful Démolition et avoir directement une Chevalière dans les deux cartes restantes. Non. Il euh, y avait que quatre créatures. Et mais il a son land, après. Mais il a ah non, mais il ne le fait pas ce tour-ci. Ouais. Mais je veux dire, tu lui offres la possibilité ah, non, mais là, le tuer, ouais, de faire une Full cas. Value, quoi. Mais je ne le tuerai pas en réponse à ça. Ah non je disais pas en Mais réponse bon. juste... Quand tu m'as dit tu peux le tuer directement Je croyais que tu voulais que je le tue euh, là, là Dans le sens tu ce truc maintenant plutôt que de garder ton anti-bête Tu seulement Bête là hein. ouais. je pioche pas euh, Non si je pense que tu pioches si ah ouais ouais, ouais. On veut pas mettre de la pression Bah ouais, tu veux aussi des mana quoi Finalement si t'arrives à commander de se il sera content quoi, avec... Lui il n'en met pas donc euh... T'es pas pressé quoi Et euh Non c'est surtout que ce cut down, normalement tu le fais pas sur un drop 1 nul mm. Mais là dans sa situation On appuie quoi bah ben, en fait euh, il n'y a pas de drop 2 non plus à cibler donc au final c'est que sur des drop 1. T'as des bons drop 1. T'as son, ah, euh, ouais. son drop 1 qui se okay. Donc au tout premier tour quand il n'y a pas trop de presse tu peux décider de pas le faire quoi. Je crois que j'ai un bon coup là. Ouais tout à fait. Et il va se refaire une main pour essayer de tout chier d'un coup et C'est le plan. Mais c'est pour ça que toi t'es quand même content d'aller chercher du terrain là un peu. Je vais peut-être même jouer ça. Pour le sceller, et que sur lui qui perd les points de vie. Tout à fait. The Bronco. Ouais, ça c'est la, la bonne cible à quelle d'homme. Ouais, euh... Ou un Land là. Ouais, je crois pas, je crois que je fais anti-bet et que j'attaque. C'est pas très grave en vrai de perdre toi les PV quoi. Je peux attaquer d'abord. Tu peux attaquer d'abord. Nice. nice. On est plus chien oui. Nice ou... Ouais mais t'as joué avec les infos que t'avais Et là du coup tu peux jouer même Archifielo, en vrai Ah ouais Tu veux pas euh, que j'ai bête euh... Parce que est... moins il a de bête, moins Chevalier fait des trucs Mais je réfléchis là, est-ce qu'il est capable de faire un truc avec Chevalier Il peut faire Drop 1, glace Glaceful Démolition Ah ouais, il peut avoir la séquence dans la main Ok non vas-y tu le tu le Pour être un peu conservateur En vrai je pense qu'Archifielo le tue très vite hein, Mais je pense qu'Archifielo, ça le désosse Et c'est surtout que tu préfères le jouer avant tes antibêtes Ouais du coup, tu gagnes de la reach avec ça, mais mais là déjà, on n'est pas trop mal. Ouais. Si je trouve un land, je peux jouer archifier euh, à Ce C'est pas le cas. Je peux faire ça. Ouais, ouais, C'est je... les pans. Tout à fait. Il va faire ses petites 1-1. C'est un deck vraiment qui, je trouve, propose trop de bonnes pressions quoi. Mm. Tous les tours deux font piocher, que ça soit le Moussu ou le Bronco. Mais bah, les cartes sont grasses, il y a du texte fort ouais. dessus sur toute elles ont toutes. De... Elles sont toutes surstatées, elles ont toutes des bonnes stats. Enfin, genre j'adore ce deck, c'est vraiment mon deck préf. quoi. Ciao. Si demain je dois jouer euh, en standard en boutique, ouais. j'achète ça instantanément. Il y a le un... Standard Showdown. Je ne vais pas le faire, mais si je devais, j'aurais je... ça. Là. Quand bien même c'est pas le bon deck du méta, mm. genre vraiment, euh, c'est exactement ce que j'aime à Magic ce deck. Ça te plaît. Ah ouais, de fou. De fou, de fou. Que des bonnes cartes, que des bonnes stats, que des bonnes interactions. Il manque euh, deux pires, et deux Bode de Daigneuse en side, quoi. Mais j'ai pensé un peu à le, à le ah, Sultaniser, sulta mais il est trop consistant comme ça. Ouais. Même ça marche pas beaucoup les contres dans le format. En fait, ça marche pas très bien parce qu'on a euh, Caverne des âmes qui vient totalement empêcher ce plan-là qu'on trempe. Ouais. Alors que s'il n'y avait pas Caverne des âmes, je le. Ouais, conscientiserai... de ramp, ouais, Je le conscientiserai vachement en mode Golgari mouillé après side seulement, tu vois. Le Golgari mouillé Ouais, le Golgari mouillé après side que j'aime bien faire, tu vois. C'est vraiment le, le Grul. Enfin, c'est le Temur Monster en fait. C'est un Grul qui est mouillé après. Ouais, je kiffe quand je connais pas. Un peu lourd. Ouais, interaction tour 2, était lente quoi. Okay. Ouais, mais y a aucune pression. T'as un deck de grind, donc c'est pas. Tu peux juste grinder quoi. Mais là, comme contre ce deck-là, comme contre, euh, bah, deck contre domaine, ça marche pas. Du coup, tu veux juste rester Golgari et faire du reste dans Liliana tout le temps, quoi. Yeah. Et bah là, tu vas, tu vas en chier avec Gamune. Hein. Tu vas souffrir là. Là, on fait pas grand-chose. Ouais. On a du reste main deck ou pas Deux du reste, one. Ouais. Donc on peut. Ouais, mais ça suffira pas. Comme tu disais, on n'a pas de pression. Alors, c'était pas très grave contre notre deck. Contre lui, c'est catastrophe. Direction et Prétor. Prétor sur gage On aurait pu mettre Prétor même. Hey Rigueur, je perds deux. Si tu veux gagner du temps, tu peux partir. Genre vraiment, il n'y a aucun moyen de gagner contre lui. Sans pression, sans faire euh, du reste dans drop 2 euh, avec trois terrains et deux cartes mortes dans la mmh. main, c'est dur quoi. Là, à ce stade de la partie, ouais. Putain c'est dur de jouer euh, ce deck là quand tu sais que ce match-up il est ingagnable quoi. Mais l'avantage c'est qu'il est peu représenté dans le méta maintenant. Ouais. Euh, donc finalement, c'est OK. Et après, juste au, au mouligan, tu sais les mains que tu as besoin d'avoir, quoi. Oui, quand Genre tu cette, sais, euh... cette main sais. C'est juste que la une, ouais, tu la gagnes pas. Je pense que t'es à ouais. 20-80, quoi. C'est très chaud. Vraiment très, très chaud, mais surtout pas avec la main qu'on a là, quoi. Mm. Et du compte la première main euh, de la game d'avant euh, qui avait des drops 3, et celle-là qui avait un drop 4, mais une interaction, tu préfères ça Ouais, je préfère avoir une interaction. Ok, plutôt que. Et faire un tour 3 vide euh... Je trouve, ouais. En fait, je trouve que c'est dur de rien faire les deux premiers tours. Ok, et comme je ah, sais. Sinon que s'il n'y a pas de bête, euh, ton interaction, tu fais quand même rien, quoi. Comme je sais que le deck, il... Ouais, bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup de decks dans le format qui vont. À part 5C Ramp et UI Control, il mmh. n'y a pas beaucoup de decks qui vont pas te donner à manger les deux premiers tours, quoi. Ouais. Ok. Oh, il me chie dessus, hein. Ouais. Ça, c'est bien nul aussi d'avoir puché contre lui. C'est ces crocodiles là. Peut-être que comme Raffine est moins populaire, on pourrait la remettre de side. Ah, c'est pas mal, monsieur. Ouais. Ok. Bon, Sholdraine. Hein. On t'en est maintenant, de toute façon, tu pousses. Hein. La Shold. Ouais, je tente. Deux points. Mais c'est trop. Enfin, tu imagines, de toute façon, la gueule des cartes qu'il a en main, quoi. Oui. Ah bah tu oh. vas pouvoir aller. Euh... Je imaginer très bien. Tu vas pouvoir aller voir. Ouais. Euh, enlève des populations je dirais. Bah, si je... Là je vais moussu, il veut me l'antibet. Ah bah tant mieux, du coup tu pourras repiocher. Ouais mais là du coup euh, s'il veut me l'antibet avec ça ou ça. Non mais c'est que je me disais là ton ta seule issue c'est un truc genre euh... archifiez-le tu vois. Et archifiez le ça prend pas son antibet. Ok non OK. On va attendre qu'il le passe sur le sur monsieur. Je ne peux pas. Non. Mais je crois que ta seule option de victoire c'est piocher ton gros 6, -6 là. Ouais. Gros ici c'est bien. Bon. Bon. Oh, il s'en bat les couilles du moussu. Ouais, mais il a peut-être raison finalement. Il a peut-être raison parce qu'il sait qu'on va vouloir aller piocher avec. Il a qu'un mana, je te qu'avec les deux. Ouais. Tiens, j'enlève l'ange, j'aime pas. C'est vraiment par, euh, par esprit sportif qu'on qu continue à se battre. Ouais, après sa main, euh, on s'en sort bien donc. Euh... Ouais, mais t'as une espèce d'issue, euh, une espèce d'inévitabilité sur euh, le nombre de draws qu'on va lui laisser qui fait que ça va être très compliqué. Mais oui. peut-être pas à 0%, hein. c'est vrai que moi je suis plutôt. De coutume de dire ne partez pas quand vous savez pas mmh. mais comme c'est un matchup que je connais beaucoup celui-là ouais. euh, je sais qu'il a trop de trop de qualité qui te font instant mmh. de perdre. Cette draw par exemple elle était bien ouais ouais, mais par... draw, elle était drôle mais parmi tant d'autres hein, tu vois allons-y bon je pouvais attaquer mais à 25 ouais. pas il village je suis en 3 fait, si tu sais que tu veux pas le tuer sur 5 tours et qu'il mmh. a plus de 7 mana ça ah, y pas bien du voile Contrainte, tu peux enlever tous les cut down. Ça, c'est pas bien. Il bah, y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que lui, il aurait sideé contre Heard Migration. Mmh. Moi, j'ai l'impression que si ton oppo est résoudre Migration, c'est quand même que t'es pas bien. quoi Mais j'ai envie de te le résoudre. Si tu joues ce deck là, t'as perdu. Ça, ça ne les tue pas. Donc, est-ce qu'on en veut pas une petite quantité Viens, on décide avant et on voit. On enlève les trois exterminés. Ça, c'est nul. Euh, ça, enlève le nul. commandement de Geeks. Les deux. Ouais. Se faire sacrifier et reprendre deux bêtes, c'est cool. Hein. Pour moi, c'est pas notre plan. Notre plan, c'est passer en dessous. Ok. Donc, euh, quand je regardais notamment au, au Pro Tour, comment. Euh, euh, pas au Pro Tour, au World, comment il jouait le, mmh. le joueur japonais qui a perdu contre J.E. Euh, vraiment, ça sortait quoi. Il était en mode low curve, ouais. contrainte, euh, bête tour de Liliana. C'est comme ça mmh. qu'il a battu 5 euh, 0 Tu veux tous les creté chines toutes les Glissas, c'est la meilleure carte du, euh, du match-up. Je pense que Preacher, c'est peut-être trop mignon. Ouais, ça fait un peu rien. Avec ouais. l'azote aussi. Et Donc, dans ce... Ça met peut-être plus sa pression qu'un truc Je crois pas. Ça nous fait de la value et des bêtes. Alors que ça. Euh... Tu penses qu'en moyenne, ça met pas plus de points à un truc que Bah ça dépend de la valeur des cartes que tu pioches. Tu pioches des landes, non. Déjà enlève avec l'azote. Sûr, c'est pas bien. Rentre archifier le. Et là, euh, on a un chemin du péril. J'ai mis un chemin du péril, ouais. La vie en test, mais le deuxième. Mets-en un deuxième. Un deuxième et j'enlève un de chaque. Compromis. Ça fait longtemps. Ouais. Ouais, j'irai comme ça, je crois. Ou autre chose, non. Comme ça. Et là, j'aime bien, on a compacté là. Mais tu veux que ton deck il soit le plus petit possible pour pouvoir se faufiler et bourrer. Oui. C'est Ce va... quand même un plan qui marche pas. Hein. Pas ça de la même façon. Bah, ça marche mieux. Ça marche mieux, mais euh, avec les armes que t'as, quoi. Euh, oui. Bah, t'as contrainte dans Liliana, donc même si t'es lente, te régalent pas. Euh, on va dire que c'est ok. J'en tape non. J'ai pas contrainte sur toi je réfléchis. Si tu pioches un tour 2, tu pourras pas le jouer. Si tu pioches un land. Non, je crois qu'il n'y a rien qui te punit. Euh... Vas-y. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette clairière Elle est ouais, très jolie. Ok, on a la carte pour tester. Ouais. Mais bon, on aurait préféré la carte pour bourrer, quoi. On préfère un land. Waouh Nickel, bien joué d'avoir deux assauts quand on fait du reste. Ça, du coup, on a pas peur. Ah, si, je peux l'enlever pour qu'il n'aille pas chercher un land. Ouais, mais il a plein de land, donc. Euh... Ouais, il n'en a que 4, hein. qu il faut qu'il monte haut. Oh. Ouais, j'enlèverai un assaut quand même. Genre, Allez. dès lors qu'il fait deux assauts, euh, on, on est avoir... rect. Ouais, on va avoir plein de cul, quoi. On va avoir plein d'assauts dans le cul. Et c'est un peu chiant parce que sa main, elle. Elle, euh... elle check bien notre sortie, quoi. Beaucoup de chances de piocher des landes. RIPE. Et il a pioché beaucoup de landes. Moi de populate. Moi je pense. Hein. Pour l'instant il fait rien, donc ça va. Ouais mais il faut qu'on trouve des... des cartes quoi. Et line binding il est ici, hein. t'inquiète. Bah tu vas pouvoir le vérifier cela dit. Il y avait les line binding ou pas Si recycle en réponse, non. Ouais j'enlève ça là par contre. Et en même temps, est-ce que t'as pas as le counter dans la main Non Enfin, oui je veux oui, dire, euh, enfin, j'ai le, le counter mais je peux pas le caster hein Oui d'accord, mais bon dire, Si cette carte est là, elle est là pour ça donc laisse le, laisse le lui hein mm. Ouais Oh belle, belle carte du dessus Bah ouais mais regarde il va faire 7 mana rien, ça va 7 mana des bêtes S'il fait 7 mana qu'on puisse jamais le truc ça va très oui, mal se passer. On aurait quand même perdu. Ça, ça, ça n'aurait rien changé. S'il fait 7 mana et que tu fais rien, tu vas perdre, même s'il développe ça. quoi. Ça va très mal se passer. Ah bah, fin de vidéo. Fin de Valet PL. Non, non, mais on veut se foutre de ma gueule. Le jeu veut se foutre de ma gueule. Il n'y a pas de galère. Il n'y a aucune galère. On est parti. Aucune, aucun souci. Le jeu veut jouer au con. J'étais déjà assis à la table en train de jouer, moi. Chouette. Ça fait longtemps. C'est très con. Yes. Allez le land. Allez le land. Land. Oh, tu peux en tuer un au cas où. J'ai confiance. J'ai confiance. Mais Il a eu peur. Hein. Il s'est dit putain c'est vrai que si je joue au con avec PL ça va très mal se passer. Il s'est dit c'est vrai que le type ça fait un moment qu'il joue. Moi il je, je débute, je démarre. Il, il est peut-être expert dans la matière. Voilà. Voilà. Moi je lui, ouais, lui pèterais ça direct. Oh, je vais y péter l'assaut. Oh, je lui pétrer la bouche. ça oh, je vais trop... y péter la tige. Par contre, je suis désolé, hein, c'est quand même perdu. Hein. Ah ouais Déjà Ouais. Bah, bah ouais. Ah elle, dans le plan pression-disruption, elle est où la pression là il ça, a, il, ça, ça, ça disrupte. Il a 12 mana. C'est Vinito. C'est déjà échec. Ça, ça c'est dur. Faut que je le tue. Oui, maintenant. En réponse, il va faire les lines binding. En fait, les plans qui marchent, c'est quand tu couples un petit drop 2 avec du reste et Liliana, et ce qui fait qu'il se retrouve au top deck en n'ayant pas les landes de caster ses top deck. Mmh. Tu vois cette situation-là ouais. Là le problème c'est qu'il a les landes de caster ses top deck. et... Mais est-ce que tu dirais que le problème euh, vient du match-up Ou ouais. du fait qu'on n'a pas pioché de land pendant 66 tours Il... Alors c'est un double problème corrélé non. qui vient augmenter le problème du match-up. C'est uniquement... Tu peux récupérer ton Chine ou tu es un 6-6, tu vas choisir. J'ai 6 du coup. Ah, si j'avais un land j'aurais pu récupérer et tuer. Eh ouais. Parce que j'aurais cassé ça. ETB, check. Et puis Mais les lands, tu sais où Dans mon cul. Au Bahamas. Oh, la chance. Ouais. Ouais, J'aimerais bien être un land au Bahamas. Moi aussi. J'aime bien, moi. Bon, après, on a... Les pièges de là. la Chi, là, s'il te plaît. pioche beaucoup de land quoi. Et à un moment, c'est Atraxa qui va te tomber sur le coin du... Paf Ouais, mais Atraxa, crois bien que je l'attends, moi. Je l'attends plus. Combien si, que j'attendais Tu l'attends encore, parce que tu vas faire Liliana quand même. Non Oui. Oui, peut-être. Oui, oui, regarde. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, montre-moi. Comme ça, là. Toi, toi, tu vas te sacrifier tu une bête, toi. Al, ah, je te le dis. J'ai même un land drop. En vrai. Oui, on, a même, on a quand même perdu, mais tant qu'il. Est... On n'a pas perdu. Oui, mais. Il trouve de la chie. Me... Voilà. Je me. Que comprends. de la chie. Je me comprends. S'il trouve que de la chie, c'est bon. Que de la chie je sais pas la ref. Je sais pas. Euh, 3 Trois points. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant Attends, on va voir. Je voulais voir s'il si vidait une carte de sa main. On fait plus un pour regarder un petit peu ce qui se passe. On fait plus un. Euh, oh, euh, trop... Ça c'est le plus mou que as, ouais, donc ça ça, ça en va effectivement. Cavern. Il y a quoi sur ce cavern Deux doigts de me demander s'il faut pas que tu fasses Liliana drop 2. Et que tu le mettes au top deck, top de deck tu vois. Ouais, je pense s'il trouve euh, Atraxa on a perdu. Alors que ça ça la, la tue instant. Ouais mais est-ce que ça tue toutes les cartes qu'il a piochées avec tout le mana qu'il a à disposition Est-ce qu'il faut pas juste accepter qu'on gagne bah. cette game dans le seul univers où il n'y a pas Atraxa C'est une la... question. Je pense qu'il faut mettre la pression là, donc je fais glissa, bête. Ok. Putain, je. Si jamais... pioche. Non, 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 faut pioche. Malheureux Mais du bord. Mais par contre, si la dernière carte qu'il a, ça nous baise. On va s'en vouloir un peu quoi. Bah ça dépend. Si c'est Vras par exemple, euh, on pioche notre petite carte, on récupère le moussu, on va pouvoir lui faire défausser une carte. Ouais, mais si tu mettais drop 2 et que tu lui faisais défausser sa Vras, t'étais pas bingo. Bah c'est peut-être la carte qu'il a pioché ça dépend. Là par contre, si tu. Euh, il y en a. Un peu chiant. Après, il est pas obligé de top des l'une des deux avec la dernière carte qui était l'autre. Il n'est pas obligé, Val. Non, il n'est pas obligé, mais peut-être que c'était pas mal. Je suis pas sûr de moi. Là. Il faut pas qu'il euh, attraque ça. Qu attraque mais ça. je crois que de toute façon, il fallait pas qu'il attraque ça. Qu faut qu il faut jamais qu'il attraque Voilà, il faut juste pas qu'il attraque ça. Et je mousse. Oh, parfait. Et là, le tour d'après, tu me l'archifiel, le type. Oh, il va être archifielé comme jamais. Oh, c'est bon. Pour l'instant, c'est très attends. Parce que là, attraque ça... Euh... Mais merde, ah, mais euh... arrête avec les archanges. Mon vieil, en fait. Vous voyez mon vieil Ben voilà, mon vieil. Ah non, il le voit pas. Non, mais vous imaginez. Bah, s'il le. Eh, t'es bon, toi J'y vais. Oui, vas-y. Encore une fois, on est dans le même spot. T'es vraiment un loulou, toi. Ah, mais c'est lui le loulou, là. Oui, non, mais toi aussi. Parce que sur trois cartes, je rappelle oh, que si c'était. Euh... Si tu gagnes cette game. Oh, mais ton pressure. Ouais. Ouais. Si tu gagnes cette game, t'es un loulou. Pas du tout. <laughs> mais pas du tout. Non, mais t'es un, no, bon... un bon loulou. T'es un bon loulou. C'est un bon loulou. Allez. Mec, moi, je m'assois à la table. Euh, en face de toi, un soir de. Un soir de, pleine de... Un soir de pleine lune Et tu me bats alors que je joue 5C et enfin, En fait il se passe cette game là Putain, euh... Putain la chatte quoi Ouais, ouais c'est pas grave Alors là est-ce que je veux monter à 2 Parce que si je monte à 2 deux... Oui je sais J'ai plus ça Ça dépend autour de quel top dès que tu tournes il y a plus d'Atraxa que de ça, mais je sais quoi, je vais faire. Même pas, il y a 3 ça et 3 de Migration, il reste. Mec, regarde, archifiez-le. Bête. Et attends, et on lui fait discard ou pas Fin de tour. Ah ouais Tu vas voir. Okay, okay. Regarde-le piocher euh, son gros bordel qui fait plein de trucs. Okay. C'est pas le gros bordel. Ouais, mais ça va, tu peux taper. Hum. Ah, mais attends, 22, c'est pas bon là. Il va... Oui, mais si, tu mets des dégâts à distance aussi. Ah là, je peux discard ça. Vas-y, discard ça, attaque avec mes honnêtes. J'aurais dû attaquer d'abord putain. Pourquoi Parce qu'il va il peut vouloir bloquer là. Attends mais je suis à neuf, je suis pas free non Non mais bon, ah bah. De toute façon t'attaques pas avec ton moussu. Tu voulais attaquer avec le moussu pour piocher une carte Je crois pas. Hein. Non, non. Je crois que t'attaques pas avec le moussu moi. Euh, J'enlève les anges qui m'ont pété levier. C'est la meilleure carte de son deck. Bah oui, oui. C'est vraiment la meilleure carte de domaine. Hein. C'est la, la carte qui lie la partie, euh, le, le, le début de game à la fin de game. Hyper. Mais là, va fatiguer. Alors tu le défonces là. Allez, top deck encore de la chie. Oh, c'est bien, oh, Je J'ai dit que t'es un loulou gros, ça fait 6 draws qui. Mais quel loulou là Pas de loulou ici. Hein. Putain de loulou quoi. Ça louloute pas. Hein. Moi je t'affronte, je j'ai dit putain, t'as le cul des loulous sur il 4 cartes À 4 -4, chaque draw, je dis putain, je vois Spaghetti à des mordes, gros. <laughs> t'as gagné je crois en plus Euh J'ai gagné Je non. tue Il y à 12 Je mets 9 Ah non t'as pas gagné bah, pas du tout tu mens en fait ah, je... Mais t'as oh. menti de fou je là Je mens de fou Je t'attaque avec les deux Pourquoi Pour piocher Ok S'il faut quand même que ça tue ça hein. Oui oui non ça va ça va tuer Bah Faut que ça tue Là c'est son plan ah. Oui oui, oui. Mais c'est fou que ça soit son plan, c'est ça que. Mais c'est son plan. C'est ça qui fait de toi un loulou. Oh super. Hmm. J'ai envie de faire quoi là Je pense que tu fais Boseiju, Glissa, euh, Chevalière, plus 1, je discarde chemin du péril, et on purge, et on perd juste sur Earth Migration. Non. Non, non, tu veux saboter la vidéo. Non, je veux pas que je sois un loulou. Tu tues avec Archifiel, c'est bon. Mais non, il est à 8 Bah oui, mais tu le mettras 2 à distance en faisant sacrifier un, de son, un truc de son bord. That's my plan. Parce que moi aussi, je peux juste non, euh, sacrifier. Je te, je te jure, c'est le bon plan. En fait, si top deck heure de migration, il a perdu, il est échec et mat. Là, tu fais plus un chemin du péril. S'il a que de migration, il se passe rien. Et dans ce cas-là, tu lui fais sacrifier un truc, il prend deux tu, pourras, tu mets six. Parce que s'il exile tout, là, on n'est pas content. Ah bah, s'il exile tout, bien sûr, mais bon. On n'est pas. Non, je suis un bon loulou. C'est un putain de loulou. Oh, je suis un bon loulou. Vraiment un bon loulou. Un bon, bon loulou. C'est important. Go comme ça. Les deux chemins, franchement, j'ai adoré moi. Non mais si Oui, oui. Oui C'est vrai que tu t'as gagné une game qu'on ne pouvait pas gagner sans. Je suis un bon loulou. C'est moi mon loulou. C'est moi le bon loulou. Et, Et voilà. pepou. Voilà. About de petit fou. caniche. On a la bourre de fou. Ah on est à la bourre Ah de fou. De zinzin. De fou de fou. Bah il faut finir ça. Ouais, il faut monter l'autre. Ouais ouais. faut aller tourner Postcast. Mais ça va, il y a un des deux podcasts qui est court. On le torpille. Ouais, on le torpille. Ouais. On va torpiller Et l'autre. Bah on a déjà torpillé quand euh, vous regardez cette vidéo. Probablement. Ai ouais. Oui, oui. Crois-je. Mais si tu... Euh, bah Al. Ça vaudra le coup. Là, la contrainte drop de... Je garde tous les jours. Bien sûr. Et si s'il y, bien bien si y a bien un deck contre qui Bronco, ça résout et ça connecte, c'est bien contrôlé lui. Fais voir ta main, mon loulou. Oh, que de l'onde. J'enlève ça, là. Ah, mais il ne peut pas s'en servir pour l'instant. J'enlèverai quand même ça, je crois. Eh ben ouais. Eh ben ouais. C'est ça, la pression et la disruption. Hop là Oh, troublant de verre. Ça t'est Non, trouve pas l'an. Attends, par contre, il est fou de garder caverne et marée. Ouais. Et sa main est folle. Sa main est folle. Mais il se dit, vu la chatte de mon opo, je peux chater moi aussi. Je vais dire humain. Non, tu veux jouer au bronco là Bah, ben, je veux jouer au bronco à la main. Ah oui, et tu dis humain pour plus tard. Pour lui. D'accord, ok. Oui, c'est effectivement mieux. J'avais pas. Que ça bronque, hein il sera bronqué, ouais. Ça bronque pas. Ça bronque. Mais en match-up. Match-up, c'est du gâteau, Val. Ouais. Alors... Oh, c'est du gâteau fait... faut... Hop, je coupe. du gâteau C'est du gâteau. Il faut littéralement... C'est un match-up ou du gâteau Attends, c'est ce qui Non font mais j'explique ce qui s'est passé, là. tu vois. Il faut littéralement que ton adversaire, il pioche 12 cartes à la suite de merde. Comment ça 12 de quand... merde, il a la pioche Excellente Et qu'ensuite... Non mais, quand tu joues de la chine dans le deck, au bout d'un moment tu la pioches, je suis désolé Voilà, si tu fais 30 chi, 30 bonnes cartes, une sur deux c'est de la et chi Et ensuite il desse, pour que tu puisses le bourrer quoi C'est sa faute hein, il ah a bah, gardé oui. à la tête Oui, c'est sa faute Sugetsu <laughs> Essaye d'ouvrir le deck pour leur montrer Je vous montre, la decklist, normalement ça marche pas, et ça va faire ça en boucle. Et si ça marche, c'est vraiment de la merde, parce que ça marchait pas tout à l'heure mais c'est une belle decklist, je vous assure. Une sure. belle Alors. Eh non, Et ça ne marche pas. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Fin de cette vidéo. Comment bourrer votre plus mauvais match-up Transformez-vous en, en, en loulou. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magicana FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.